Eh bien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme tu l'as vu dans le titre, je vais ouvrir avec toi un colis mystère. Avant d'ouvrir ce colis mystère avec toi, on est quel jour? Oui, mercredi, mais quelle date? Je te laisse regarder dans ton calendrier, on est bien le 5 septembre. Et pour ma part, le 5 septembre, c'est l'anniversaire de ma petite sœur, Erel. Donc Erel, si tu passes par là, et je sais que tu passes par là, je voulais te souhaiter un Happy Birthday to you, Happy Birthday. Un très 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 bon anniversaire, ma petite sœurette que j'aime très très fort. Je te souhaite un très bon anniversaire, Erel, et du coup... Je vais donc ouvrir ce colis mystère avec toi. Colis mystère pour toi, mais pas pour moi. Je sais ce qu'il y a dedans. Il y a en tout 3 choses que j'ai gagnées. Ce n'est pas un partenariat, je le rappelle. J'ai payé toutes les choses qui sont arrivées. Voilà, j'ai gagné ça à une tombola sur la page Facebook Les Créas d'Alison. C'est une femme hyper gentille qui fait des personnalisations d'objets tels que des plaques de porte, des magnets, des porte-clés, des bijoux tels que des bracelets, des lampes pour les enfants. Je vous mettrai de toute façon, je pense, des photos par ici, c'est promis, je vous mets des photos là. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai tout noté, voilà. Donc, il y a aussi des bougies, des vêtements et des peluches, voilà. Et franchement, cette femme a un don pour le dessin. Je vous mettrai aussi quelques dessins qu'elle a fait ici, voilà. Et du coup, elle fait souvent des tombolas à 4€ le ticket sur sa page Facebook. Et du coup, c'est des tombolas 100% gratuites. Vous voyez ici que j'ai mis ça là. Et du coup, on a le choix entre plusieurs choses. Et moi, là, c'est la deuxième fois que je participe, que j'achète des tickets de tombola. Voilà, c'est la deuxième fois que j'achète des tombola quand elle en fait, parce qu'elle en fait quand elle le veut, voilà. Donc c'est parti, et du coup moi j'ai gagné 3 choses, du coup j'ai pris 3 tickets. J'espère ne pas abîmer les choses à l'intérieur en ouvrant le paquet. Donc je vais essayer d'ouvrir comme ça, voilà. Parce que j'ai vraiment pas envie que ça soit abîmé. Alors, première petite chose, il s'agit de ceci. C'est une plaque de porte. Alors, c'est en plastique comme ça. C'est plastifié, je veux dire, voilà. Avec une petite bande où qu'on peut enlever, voilà. On peut enlever le petit papier et coller ça ensuite sur la porte. Regardez, c'est hyper mignon. C'est pour une de mes petites nièces, du coup, Lana, qui est née le 18 août. Voilà. Donc, avec la petite tête de Mimi, franchement, c'est hyper joli. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Je vous mettrai d'ailleurs en photo maintenant les choses que j'ai déjà reçues la première fois. J'avais une bougie avec marqué Peyton, c'est une de mes autres nièces. Il y avait aussi un petit magnet à coller sur le frigo avec Lana, toujours avec la fée clochette. Et qu'est-ce que j'avais pris encore? Ah oui, bien sûr, pour Juliette, j'avais pris une plaque de porte, je crois, si je m'en souviens bien. Donc voilà, vous aurez vu tout ça ici. Et du coup, là, je vais cacher, mais c'est un magnet avec... Hop, on va cacher un petit peu plus. Voilà, parce que je sais que forcément mes frères et sœurs ne veulent peut-être pas que je fasse montrer leurs enfants sur YouTube. Donc là, il y a marqué Peyton et Lana. Donc c'est quand Lana est née. Et que, bah, du coup, j'avais pris une photo d'elle deux. Et à la dernière tombola, il y avait une peluche à gagner, à personnaliser. Et c'est moi qui l'ai remportée. Et voici du coup la peluche. C'est un signe avec marqué... Juliette dessus. C'est comme si c'était... Alors comment vous expliquer? C'est un transfert du coup, bien chauffé, du coup c'est bien ancré en fait dans la peluche. Je sais pas si vous allez voir, non vous verrez pas, mais en fait c'est en relief, enfin on voit que c'est... les lettres sont enfoncées un petit peu dans la peluche. Donc voilà, c'est un signe, elle est hyper douce.
derrière, c'est comme ça. Franchement, je pense que ma sœur Erel, du coup, qui est devenue maman le 7 août, voilà, de la petite Juliette, va adorer ça et va, j'espère, mettre ça près de son berceau. Donc voilà pour ça, qu'est-ce que je pouvais vous dire en plus que les créas d'Alison, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos de sa page Facebook, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle fait des choses mais vraiment magnifiques. Et en plus, à la rentrée, donc là quand cette vidéo sera sortie du coup le 5 septembre, elle commence à faire les réunions à domicile bien sûr dans sa ville à Roanne en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, si vous êtes à côté, allez sur sa petite page Facebook et demandez-lui aussi une réunion chez vous pour qu'elle vienne avec ses objets, vous les présenter, je pense. Donc voilà ce que je pouvais dire dessus. Et puis voilà, hein. On va terminer la vidéo ici. J'espère qu'en tout cas, cette découverte vous aura plu, t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu de ce côté-ci, à me suivre sur ma page Facebook L'Univers de Meryl et bien sûr à t'abonner toujours gratuitement en cliquant sur ma petite tête qui apparaît juste ici. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous. Porte-toi bien, à la prochaine. Salut !